Pour plus de facilité, je vais créer une image de fond ayant les mêmes paramètres que ma vidéo. Donc, mes paramètres de mon film sont en largeur et en hauteur 1280 par 720. Et avec Photo Designer, livré gratuitement avec Magix, je vais créer une nouvelle image ayant les mêmes largeurs et hauteurs 1280 par 720. Je réduis un peu l'affichage pour que ce soit plus facile à gérer. Le choix des formes et des coloris est purement personnel. Ce sera à vous ensuite de choisir votre propre design pour votre image de fond. Mon image de fond est créée. Je peux l'enregistrer dans mon dossier. Image de fond. Enregistrer. À présent, je vais définir tous les mouvements du titre à l'aide de keyframes. Je dépose mon image de fond sur la piste 1. J'agrandis la durée, environ 25 secondes, et je vais définir le titre tout d'abord. Donc là, j'ai choisi Oliva. Je valide mon titre. Je le positionne là où je veux. Je vais dans Effets, Position Taille, et je vais enlever, conserver les proportions de façon à pouvoir déformer mon titre à volonté. En début de séquence, je voulais que mon titre arrive par le haut, donc je vais le déplacer légèrement en haut et je vais définir une nouvelle keyframe à la position actuelle. Environ 3 secondes plus tard, je veux que mon titre soit descendu sur la bande rouge. Cela définit la seconde keyframe. Toujours 3 secondes plus tard, mon titre se déforme et se rétrécit vers la droite. C'est une nouvelle keyframe. Ensuite, mon titre va descendre sur la bande grise. Ce sera la quatrième keyframe. Mon titre, 3 secondes plus tard, va se déplacer vers la gauche. Je vais devoir le rétrécir un peu pour qu'il passe en largeur. Et c'est donc la cinquième keyframe. Toujours environ 3 secondes plus tard, mon titre se déforme vers le bas. Sixième keyframe.
Je vais agrandir un peu la durée de mon titre ainsi que de mon image de fond. J'avais vu un peu court. Je reclique sur mon titre. Et enfin, mon titre va terminer à droite sur la partie jaune. Et ce sera donc la septième keyframe. Je reviens au début de ma séquence et je clique sur aperçu. Toutes les keyframes sont bien lues les unes après les autres et mon titre suit bien les mouvements que je lui ai dictés. Mon titre est en piste 2 et je le duplique sur les pistes 3, sur les pistes 4 et sur les pistes 5. La piste 2, mon titre était en blanc. La piste 3, je vais choisir une autre couleur, par exemple le noir. Pour la piste 4, jaune. Et enfin, pour la piste 5, par exemple, le gris. Mes quatre titres suivent exactement les mêmes mouvements. Donc, si on lance l'aperçu, c'est la dernière couleur qui est au-dessus en fait des autres qui apparaît, donc le gris. Si par exemple, je supprime la piste 2 et la piste 3, c'est le jaune qui apparaît. Pour réaliser mes quatre calques, j'utilise de nouveau Magix Photo Designer. Mon image de fond est en piste 1. Je clique sur Partage, Éditer photo, Démarrer Extreme Photo Designer. Je vais avoir besoin que seule la zone rouge apparaisse en premier. Donc, je vais la teindre en blanc avec l'outil pot de peinture. Et le reste en noir. Ce sera mon premier calque. Fichier, enregistrer sous, masque A. Je reviens en arrière pour revenir à mon image de fond originale. Pour le second masque, j'ai besoin que ce soit la partie gris clair qui soit visible. Donc, avec l'outil pot de peinture toujours, je la peins en blanc et le reste en noir. Voici le masque B créé. Je vais faire la même chose pour le masque C, donc la partie gris foncé, outil pot de peinture en blanc et tout le reste en noir. Je l'enregistre sous le nom masque C. Et enfin, la partie jaune qui sera donc le masque D.
Je l'enregistre. Et mes quatre masques sont créés. Pour finaliser le montage, je vais devoir intercaler devant chaque titre un masque. Donc je vais décaler tous mes titres vers le bas. Et donc devant mon premier titre, qui était en blanc, je vais poser le masque A. Le masque agit directement sur la ligne qui lui est au-dessous, sur la piste au-dessous. Donc là, il agit directement sur la piste 3. Je clique sur effet vidéo chrominance. Pour bien se rendre compte de l'effet, je vais supprimer piste 4 et piste 5 et piste 6. Et donc, l'aperçu, on voit seulement le titre en blanc sur cette partie. Donc maintenant, sur l'autre titre qui était en noir, je vais pouvoir intercaler le masque B. J'ajuste la longueur. Effet vidéo. Chrominance. Masque alpha. Donc là, de nouveau, pour bien se rendre compte, je vais supprimer la piste 6 et la piste 7. Donc le titre en gris et en jaune. Et donc là, j'ai le titre en blanc. Et c'est le titre en noir qui prend la suite. Je vais pouvoir faire la même chose pour les deux derniers titres. Le masque B, j'ajuste la durée. Effet vidéo, chrominance, masque alpha. Et enfin, pour le dernier titre, le masque D. Effet vidéo, chrominance, masque alpha. Et donc, si je reviens au tout début, voyons voir l'aperçu. Exactement l'effet désiré. Pour un petit effet supplémentaire, je voudrais que mon titre, quand il arrive dans la partie jaune, il devienne noir. Donc je vais dupliquer la toute dernière partie de mon titre en gris clair sur la piste 10. Je vais le teindre en noir et le faire apparaître progressivement. Ce qui donne. Et voilà, c'est terminé et c'est à vous.